Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok où, comment vous dire que pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode, il ne s'est pas passé quelque chose de bien dans le sens où une personne au début du jeu qu'on avait sauvée, on pensait que c'était une personne gentil, tout ça, enfin tout ce qu'on nous avait décrit en quelque sorte, avec en plus, toutes les légendes à venir, enfin toutes les, comment dire, le futur à venir. Et finalement, cette personne n'était pas la vraie personne. Je sais que c'est un peu confus ce que je dis, c'est juste qu'en fait c'est Tyr, on a sauvé depuis le début du jeu, qu'on a sauvé au début du jeu, que Atreus voulait retrouver. Et donc peut-être avec lui, soit préparer le Ragnarok, ou empêcher le Ragnarok. Sauf que, Tyr, qui est là depuis le début, n'était pas vraiment Tyr. C'était Odin, depuis le tout début. Donc, et sauf que, il y a, c'est qui déjà? Brock, à un moment donné, sans que Tyr n'est pas normal. À un moment donné, Tyr il dit oui, j'ai un moyen pour aller à Asgard. C'est pas un moyen conventionnel, mais c'est un moyen, on peut, comment dire, on peut y aller, quoi. Sans se faire repérer. Sauf que, Brock, comme on dit, il est pas né la dernière pluie, et il sentait une entourloupe venant de Tyr. Enfin, il dit, c'est pas normal. Rien n'est normal là depuis le début là. Depuis quelques minutes là, ça va pas du tout. Ce que dit Tyr, ça va pas quoi. Tyr en se retournant donne un gros coup de poignard dans le ventre de Brock et se transforme en Odin qui prend Atreus dans son bras, dans le bras comme ça là, par le bras, je sais plus comment on dit là, qui le prend en otage quasiment. Et a réussi à s'enfuir en essayant de prendre le masque. Il dit, tu prends le masque, soit tu me... à Freya, soit tu me tues, soit tu essayes de me tuer, soit tu sauves Brock. Elle décide de sauver Brock. Je crois que Freya, ou je sais plus, dans ses frayeurs, qui lui donne le masque. Sauf que juste au moment où il commence à s'échapper, Kratos prend la lance qu'il a eue, donc dernière arme qu'on a eue. Balance la lance et réussit à embrocher, enfin pas embrocher, mais dans le trou des yeux, à planter enfin pas à planter, mais à passer la lance par ses orifices et la planter dans le mur. Donc ce qui fait que Odin est parti sans le masque, alors qu'il était venu pour ça. Donc il va revenir pour. Sauf que malheureusement, Sindri est dans la tristesse et ça se comprend très bien. On a essayé de le retrouver. Enfin, on l'a retrouvé. Sauf que il nous quoi? Il nous rend responsable de la mort de Brock et de tout ce qui leur est arrivé depuis qu'on le connaît. Donc voilà. Sa tristesse se comprend. Donc voilà. C'est dernièrement, il dit Freya, là apparemment elle est. Normalement, Freya et Freyr devraient être les deux être ici. Ils doivent être là. On les a quittés ici. Mon bon Kratos, jeune Atreus, quel soulagement de vous voir sain et sauf. Acceptez toutes mes condoléances. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis bouleversé par la nouvelle de ce qui est arrivé à ce bon Brock. Et dire qu'une telle chose a pu se produire chez moi en plus. Je suis profondément choqué et désolé. Est-ce que le bon Sindri va bien? Non. Mais il vivra. Il est retourné à Midgard. Je vois. J'imagine fort bien la peine qu'il peut ressentir. Je vous en prie, prenez garde à vous. Eh bien, ouais. Bonne chance. Merci, merci. Non, désolé, c'est fini. Eh oui, on en a terminé. Allez, oust! Oh, t'as de la chance d'être juste qu'une entité n'a pas de physique. Parce que ça, c'est ses émotions. Pour ceux qui ne savent pas, ça là, on en voit. Jusqu'ici, on en a vu trois. Il y avait Amer.
pas stressé, mais c'est ses émotions. Donc amer. Il y avait, je sais pas, c'est pas stressé, mais il avait un autre nom, qui genre pas sûr de lui, tout ça. Et lui, je sais pas ce qui c'est. Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il l'avait dit, mais je m'en rappelle plus. Donc on va aller. On va dire ce qu'on a trouvé, enfin qu'on a retrouvé Sindri, qu'il est à Midgar, tout ça. Ah, je m'en peux plus de son nom. Kratos. Es-tu des nôtres? Bien. L'heure est venue. L'heure de quoi, exactement? L'heure d'unifier les royaumes contre Odin. Une fois pour toutes. Tyr a tenté d'unifier les royaumes. Le vrai Tyr. Tout le monde l'adorait. Et même lui a échoué. Alors nous devons réussir. Car nous serons les derniers à essayer. Ceci est le Ragnarok. Et Odin est systématiquement au courant de chacun de nos plans. Oui, nous n'avons plus le bénéfice de la surprise. C'est ça. Pire encore, nous n'avons qu'un accès à Asgard. Et il n'est pas discret. Gjallarhorn. Ce qui veut dire qu'on entre par le temple de Tyr ici. Je sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure. Le mur d'Asgard est de ce côté. C'était discret ou pas discret. L'armée des Nériards d'Odin occupera la zone située entre les deux. Autrement dit, il nous faut des armées aussi. Toutes celles qui répondront à notre appel. Odin ne s'attendra pas à un tel nombre. Et ce n'est que pour atteindre le mur. Pour le briser, nous devrons trouver Surt. Ratatosk a pu nous fournir ceci. C'est pour aller où? Nous irons tous les trois. Je sais où chercher. Splendide. Des alliés, donc. Sur qui nous pouvons compter? Je me rendrai à Helheim, pour tenter de recruter l'armée des morts. Et moi, j'irai à Alfheim, pour unir les elfes. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Unir les elfes, après des siècles et des siècles de guerre. Eh bien, je suis très populaire à Alfheim. Et toi, à Vanheim? Oui, pour voir Sigrun et réunir les Valkyries libres. Midgard n'a pas d'armée. Ni Jotunheim, ni Niflheim. Ça ne laisse que Svartalfheim. C'est moi qui irai. Sindri? Tu es sûr? J'irai à Svartalfheim. Eh, il est plus le même. Qui se comprend? Mais il n'est vraiment plus le même. Puisse la chance nous sourire. Espérons-le, hein. Donc c'est bon, on a la trompette là, je sais pas quoi là. Je dis des fois, tu sais, ça va dans la poche magique, hein, mais non. Le dernier géant de feu. J'en viendrai presque à envier les missions impossibles des autres. Ah, elle remplace Brock. Encore Sindri est pas là. D'avoir retrouvé la balle d'Elka. Maintenant, laisse-moi te réparer cette armure. Salut, je voulais juste que vous sachiez une chose. Si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Enfin, ici. Ou dans l'un des vieux ateliers de Brock et Sindri. Je sais qu'on passe tous une sale journée, mais j'aime me tenir occupée. Ça se comprend. Bah attends, je regarde juste vite fait s'il n'y a pas de truc à récupérer. On l'a jamais fait, donc... Putain, je te jure quand même. Y a pas une seule fois, y a rien en fait qui nous a fait nous dire que c'était pas Tyr. Après, en même temps, Kratos, Atreus, ah non, en fait, c'est les deux seuls qui connaissent pas Tyr. Enfin, je sais pas si Brock et Sindri connaissaient Tyr de base, s'ils l'avaient déjà rencontré. Je me rappelle plus s'ils l'avaient déjà dit. Mais en tout cas, Kratos et Atreus peuvent pas savoir si c'était le vrai parce que ils l'ont jamais rencontré et en même temps, ils ont juste lu. Lui, il a entendu des histoires, tout ce qui se rapportait à Tyr. Et Tyr, en fait, il vient de là-dedans à chaque fois. Chaque fois qu'on le revoit, il est ici, il sort de ça. Donc en fait, Odin, il pouvait pas tout le temps être là, puisque de toute façon, Atreus le revoyait à Asgard, et de temps en temps Kratos ailleurs. Donc en fait, Odin était à différents endroits, mais pas au même moment. Il devait se débrouiller pour qu'il soit, pour qu'il puisse, comment dire, aller ailleurs, enfin faire son plan, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais. Donc lui est là.
On les a pas tous suivis, les petites créatures. Je crois que normalement, je sais plus s'il y en avait 6-8 à avoir. Je crois que j'en ai dû avoir 5, je suis pas sûr. On doit aller à. Donc, Muspelheim. Bon, on a déjà été. Ah oui, maintenant on peut aller à d'autres endroits. Ah, j'ai une mission là. C'est quoi? Ah, c'est les épreuves, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, non, c'est le coin où. Comment ça s'appelle? Atreus a été avec. Avec Thor. Savoir où chercher Surt. Oui, j'ai percé les secrets de sa fresque à Muspelheim avec Thor. Thor? Ne t'en fais pas, il ne m'a pas vu entrer. Je ne m'inquiétais pas de ça. Bon, quand on aura trouvé Surt, nous devrons le convaincre de s'associer à sa femme, Sinmara. S'associer? Oui, quand ils seront tous deux... unis, ils créeront un gigantesque monstre qui détruira Asgard. Oh non... Ragnarok. Et c'est eux qui vont enclencher ça. Toutes mes excuses. J'ai certaines réserves sur les négociations avec Rasvelger à Helheim. M'est avis qu'elle se montrerait peut-être plus disposée à écouter un interlocuteur décédé. Mimir, j'ai besoin de toi. Être mort est un talent maintenant ? Je suppose que ces deux-là sauront se débrouiller sans moi. Mon frère, si tu le permets. Très bien. Merci infiniment. Nous vous retrouverons. T'as besoin de passer vite, Léa. Je crois que j'aperçois la forge de Surt, au loin. Oui, c'est par là. Attends, je regarde s'il n'y avait pas quelque chose dans le coin. Non, c'est bon. L'épouse de Surt, où est-elle? À Niflheim, je crois. Voilà. Non, c'est bon, c'était... Raoka. J'étais pas sûr d'avoir... la bonne flèche. Si on avance en direction de ce tour, on devrait pouvoir voir la forge. Ok. Donc ça sert à rien d'y prendre là, je suis full. Putain. Mais rentrez dedans là. Bien fait de regarder. Raté. Ah non, c'est bon. Attention. Oh God. Raté. Putain, il a évité. Ah, c'est si on les laisse tranquilles. Je me demande s'ils ont vu leur prophétie et choisi de s'isoler dans leur propre royaume pour la combattre. Cela se comprendrait. Pourvu qu'ils comprennent pourquoi le Ragnarok doit avoir lieu. Les petits trucs là, les feux follets, si on les laisse tranquilles en fait, dans le sens si on les attaque pas, soit déjà ils nous attaquent. Soit ils s'unissent pour faire un espèce de grand esprit. J'entends, mais il est où? Il est au-dessus? Attends. Il est où? La droite. Regarde, là-bas. Ok, il y a lui, il y a l'espèce d'esprit, c'est quand les faux follets se réunissent. Laisse partir! Regarde, sur la gauche! Oh bordel! Putain. Toujours debout, c'est bon? Attends. Tu t'es fait bifroster! Ça se dit bifroster? Il s'est fait bifroster! Bon, je vais m'occuper de lui parce que là. Ah,
gaffe! C'est bon? Que la forge est après cette chute de lave. Tu en es sûr? La dernière fois que je suis venu, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une forge. Pardon. Putain. Je regarde. Non, viens d'ici. Tac tac. Je sais c'est à gauche, hein, mais je regarde. Non. Ah ça, non, mais je peux pas tomber sauf. Sauf si je peux, mais. J'ai paniqué. Au cas où Surtr refuserait de nous aider, nous devons être prêts. Prêts? La prophétie dit que Sinmara et lui s'uniront. Mais rien ne dit qu'ils seront d'accord. Tu voudrais essayer de forcer ces êtres primordiaux à se soumettre? Je sais pas. On ne gagnera pas cette guerre sans eux, pas vrai? Attends. Là, il y a l'autre. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Ah, attends. Ok, on a un coffre ici. Non. Ok. Franchement, bon, on verra ça une prochaine fois, je vois pas comment faire. Il y a quelque chose devant. Arrête, voilà, merci. Par contre, j'ai pas vu où était l'autre truc. Là, ah, c'était là. On doit s'occuper des sources. Ah, putain, ça m'empêche d'attaquer. Allez, 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 allez. Voilà. Le cœur est affaibli. Vite. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il s'agissait une onde. Une de ces sourceurs uniques doit être cachée. Là.
pilier semble fragile. Il y a peut-être une source ici. Voilà. Hein? Voilà. Bien joué. Je suis trempé de sueur. Trouvons Surte. Voilà, ça c'est fait. Je voulais faire ça, mais en fait c'était un de ses piliers. La porte est brisée. Je crois qu'on est proche. Ouais, 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 on va faire ça. Ouais, j'ai juste récupéré la santé là-bas. Ouais, là je sais pas trop comment faire en fait. Dommage que la distance, qu'on puisse pas augmenter la distance. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça, genre de la compétence de l'arme, qu'on puisse augmenter la distance en fait. Pas non plus de 1000 km, mais au moins de quelques mètres par-ci par-là. Putain. C'est bon? Ou pas? Non. Je sais pas pour moi. Attends. Attends. Je vais attendre. Je vais essayer de tenter ça. Si j'y arrive pas, je ferai hors live. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merde! Je comprends pas, pourtant je tire dans les flammes. C'est bon. J'étais pas sûr. Je n'ai juste y pensé. Non, j'y avais pensé avant, mais j'avais mal fait. Ok, plus que deux. Voilà, maintenant, c'est fait. On peut descendre, non, on peut pas descendre par là. Hein. Lui. Nous lui demanderons. Attends. Non, ça c'est fait. On va avoir un combat. Forcément. Je préfère prendre de... pas prendre de risques. Il y a plein d'épées par terre. Bonjour, sûr. Bon, soit ce n'est pas lui, soit il nous ignore. Allez. Il t'ignore. Attends. Ah non, il y a pas, ça s'est pas battu, c'est lui en fait qui doit jeter ses épées parce qu'il les pense pas parfaites. Attends. Peut-être qu'on pourra passer par là, non? Il est où? Attends, je vais essayer de voir par le haut. Ah! Merde. Non, c'est bon. 46 sur 48. Ouh là là. Bonjour. C'est mal foutu là. Ah! J'avais vu une image de lui. Nous cherchons un géant de... Enfin, je crois que c'est lui, hein. Je suis pas sûr. Allez, vous en. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, c'était pas... On s'occupe d'abord de cela. T'es en feu. Tu dois déjà le savoir.
contre toi, qui est le gardien de ce royaume. Je défendrai son droit. Allez! Ah, raté. Oh, y a un deuxième mangeur d'âme? C'est bon. Attention à droite. Putain. Allez. C'est le moment. C'est bon. Désolé, mais bon, là, tu m'as tapé au moment où j'ai... Merde! Ah, mais il est là, j'ai pas vu. Il en reste qu'un! Voilà! C'est vraiment sûr, il va avoir des comptes à rendre. N'oublie pas, nous avons besoin de lui. C'est bon? Je vais te récupérer. Un enchantement. Ah. Je ne vous aiderai pas. Qui es-tu? Celui que vous cherchez. Du moins, ce qu'il en reste. Pourquoi refuser de nous aider? Parce que... je n'en ai pas envie. Mais encore... nous mourrons. Bien sûr. Et comme tu as tellement de choses à perdre... pas moi. Elle. Alors à quoi tout cela sert-il? Tu te terres ici, loin de Sinmara, en attendant la mort? Au moins, si tu la rejoignais, vous seriez à nouveau réunis? Nous sommes réunis. J'ai son cœur. Elle a le mien. Ah. C'est peu de choses. Mais c'est suffisant. Mais vous n'êtes même pas... As-tu déjà été amoureux? Une sensation délicieuse. Alors Odin sera victorieux. Et tous les royaumes tomberont devant Asgard. Oui, il doit mourir. C'est vrai. Mais je ne la sacrifierai pas plus que tu ne sacrifierais ton jeune garçon. Désolé. Viens. Attendez. C'est l'âme. Puis-je les voir? Comment ça? Plante-les. Juste là. Je deviendrai ton monstre. Mais elle ne doit jamais être impliquée, en aucun cas. Mais...
La prophétie dit que vous devez vous associer. Est-ce que ça peut marcher? Ai-je quelque chose à y perdre? Pas ici. Suivez-moi. Ok. Où nous conduis-tu? L'étincelle de la création. Surt a accepté de venir de ne. Surt a accepté de nous venir en aide à condition que nous. Non, ben, pourquoi je cache? Pardon. Que nous n'impliquions pas Sinmara. Il croit que ces flammes, canalisées à travers les lames du chaos, suffiront à elles seules à produire l'étincelle nécessaire pour appeler le monstre qui détruira Odin et Asgard. Cet homme de cendre ne craint pas pour sa vie, seulement pour celle qu'il aime. Il porte le cœur de Sinmara dans sa poitrine, séparé du sien, comme il est séparé d'elle. Je crois comprendre ce qu'il ressent. Donc là, c'est... Soit c'est Atreus qui parle, soit c'est à Kratos, mais je pense plus Kratos. C'est-à-dire? Le lieu où Muspelheim rejoint Niflheim. Là où les premiers royaumes sont nés. Tu n'es pas capable de passer à travers cela. Non, on n'est pas capable de faire fondre tout ça. Une petite portion, mais pas plus. Surt? Je suis là. Je ne veux plus marcher. Qu'est-ce qui nous attend à cette étincelle de la création? De la magie, des trucs primordiaux. Avec ça, tes lames, mon cœur, tout ira bien. Je vais, comment dire, écraser des choses. Ça va vous plaire. Que se passera-t-il quand tu changeras? Aucune idée. Je ne serai plus moi. Mais comment seras-tu? Ou comment le nouveau toi sera quand attaquer Asgard? Tu as le corps. Non? Oui. Alors, tout va bien. Genre le corps, ça va lui donner genre un peu l'ordre qu'il faut. Enfin, l'ordre à lui dire oui, voilà, faut... c'est ça que tu dois tout détruire. C'est ça que tu dois détruire. Oui. C'était comment? Bruyant. Oh. Bien. La voilà. L'étincelle de la création. C'est... splendide. Rendez-vous là-bas. Ah ouais, quand même. Tout semble trop facile. Odin sait que nous avons le Gjallarhorn. Il sait que tu as le masque. Après avoir tué Brock, il savait qu'on chercherait Surt pour déclencher cette guerre. Mais quel autre choix avons-nous? Il sait aussi cela. Ouais, alors désolé. Je vais retirer tout le monde. Tac, tac. On dirait que c'est aspiré. Mais c'est une galaxie, ça. C'est pas genre une étincelle. C'est énorme. J'adore. Ok, c'est là-bas. On va d'abord vérifier ce qu'il y a ici. Je suis pressé, hein. Mais... je préfère... ne pas prendre de risques et de prendre ce qu'il y a à prendre. Et voilà. Et Sinmara, ne devrait-on pas lui en parler? Non, cela lui ferait trop de peine. Plus que d'ignorer ce qui t'est arrivé. Aimer quelqu'un demande parfois des sacrifices. Choisir le moindre mal. Ça n'a aucun sens. Promettez-moi.
permettez à moi de rien du tout pour l'instant, hein. Franchement, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau. Pas l'approcher. Tu as notre parole. Surt, est-ce que te transpercer avec les lames suffira à créer ce nouveau toit? Le cœur de Sinmara est froid. Merveilleusement froid. Mon père détient désormais mon feu dans ses lames. Si ce feu se mêle à elle en quantité suffisante, cela devrait marcher. D'accord. Ok, et eh ben juste avant, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là et je vais continuer hein, parce que là j'ai à peu près quelques minutes d'enregistrement, donc il faut que je revienne après derrière pour réenregistrer. Donc merci à ceux qui regarderont cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao.